Coucou, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Aïda Sawadogo, entrepreneur e-commerce basé en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Bon, aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui se baladent dans mon catalogue tout le temps. Ils me reviennent. Dans le catalogue de mèches, le plus souvent, ils disent « Tata, c'est cher. Les prix là, vraiment, c'est cher. On n'est pas encore à ce niveau-là. » Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, d'aller à la rencontre de certains fournisseurs qui vendent vraiment les mèches de vraiment à bas prix. Vraiment à très, très bas prix. Genre, même le kilo à 100$, peut-être pour une taille 24, ok? Mais je vais être sincère avec vous dans cette vidéo. Ce n'est pas des choses de good quality, alright? Ce n'est pas des choses de qualité. Ce n'est pas comparé avec ce que moi j'ai déjà dans mon catalogue. Mais j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous qui préfèrent ce genre-là, qui disent que c'est leur audience, c'est leur capacité. Et je vous comprends, tout le monde dans la vie ne peut pas être au même niveau, ok? Donc là, nous sommes, je me retrouve ici au marché de beauty, au marché de mèche, ok? Encore appelé ici Meibochien, c'est situé à Sanyuanli. C'est-à-dire que si un jour vous arrivez en Chine, vous voulez aller au marché de beauty, de mèche, surtout le marché de mèche, vous n'avez qu'à demander Sanyuanli. À Sanyuanli maintenant, vous commencez à vous renseigner où on appelle Meibochien. Vous allez voir, il y a des... Vous verrez, il y a des gens, des Chinois qui font la moto, qui connaissent partout ici. En fait, tous les endroits où les Noirs fréquentent, vous verrez les motos qui vont vous accompagner là-bas. Vous verrez des taxis. Mais une fois que vous êtes déjà à Sanyuanli, vous n'avez pas besoin de prendre le taxi. Juste la moto. Si vous connaissez déjà le coin, ou si vous avez la chance de rencontrer un Noir, il va vous, juste à pied, vous arriver là-bas. Donc... Ok, donc auparavant ici, comme je disais, c'était seulement plein de les mèches, c'était seulement des mèches, des mèches, des mèches. Donc maintenant c'est les beauty, c'est maintenant les comment on appelle, soit c'est make-up, soit c'est comment on appelle les trucs de peau quoi, les huiles essentielles, les crèmes. Donc c'est maintenant ça quoi. Donc voilà, on est déjà au marché des mèches, vous voyez. Donc je vais vous déjà ici là, on les connaît, ils sont repartis ici. Il y a des mèches, il y a des boutiques ici comme par exemple ici là, c'est des gens de qualité, ouais. C'est à dire que les Chinois sont comme ça, quand ils choisissent une audience, ils la choisissent, ils ne font pas semblant, ils restent dans ça quoi. Donc, ok, bon, comme je vous ai promis, je suis donc à la boutique avec what is your name sister? Amy. Voilà, elle s'appelle Amy Hair. Mais le nom de sa boutique, si vous venez ici là, c'est Kitoko Hair. C'est-à-dire quand vous êtes à Meibochien, vous demandez Kitoko Hair, on va vous amener ici là, d'accord? Bon, je suis là pour vous présenter, comme je vous ai dit là. Voilà, voilà les mèches, elle a tout genre, c'est-à-dire les 8A, 10A, tout ce que vous voulez là. Et elle fait à très bon prix. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des choses que je ne pourrais pas. You speak French? English. Elle parle seulement anglais, elle ne parle pas français. Elle parle un peu lingala. Yeah. C'est le lingala. Elle parle parce que beaucoup de Congolais achètent ici là, d'accord. Donc, elle va vous expliquer. Bon, elle va parler, moi je vais traduire, d'accord. Ok, sister, how are you selling? Like this one, how much? 1 kilo, how much? $120. This one with grade. Ça c'est le 10A. Ça c'est le 10A. 1 kilo, how much? Elle dit 1 kilo, $120. This one with size.
Ça c'est 20. Ok, ça c'est 20. One, this is 10 bombes de 1 kilo. Elle fait 10 boules. 10 boules à 1 kilo. 10 boules à, c'est 1 kilo et à $120. Ok. Do you have cheapest one than this? Maybe. This one, which one? Ok. Yeah, voici les cours, hein. Voici les cours. Je ne sais pas comment on appelle, je me connais pas trop. Et this short one, how much? This one, $5. $15. For one like this. For two. Elle dit, elle fait les deux ici comme ça là à $15. D'accord? Ok. D'accord. Ok, this is just for sample. If you like. Elle dit que c'est ça, ce sont les samples, c'est les échantillons. Si tu veux, elle va te faire, elle va t'envoyer many pictures. Elle va t'envoyer des échantillons, des photos et tout ça. Pas les échantillons cheveux, les photos pour que tu regardes. Elle existe vraiment, elle est là. Good quality, d'accord. En fait, ce que moi j'ai compris sur les mèches, c'est qu'il n'y a pas les mèches moins chères, oui, parce que. Plus la grade monte, plus ça coûte cher. Parce que les gens qui me disent souvent que nous on veut les mèches chères là, c'est les 8A. Et nous tous, nous savons bien que les mèches là, c'est pas grade. Donc, il n'y a pas. Donc, assumez seulement que quand peut-être vous commandez les mèches moins, peut-être, imaginez peut-être que vous voulez, peut-être comme elle le dit là, 1 kilo, peut-être $120, et que ça arrive après, c'est comme le kucha. Ne vous plaignez pas, parce que c'est le 8 qu'on vous a donné, le 8A qu'on vous a peut-être donné, quoi. Donc, on vous donne en fonction de votre âge. Hein. Dis-toi, moi, c'est ça. For 1 kilo. Yes. I also a kilo price. Okay. Elle ne vend qu'un kilo. Elle ne vend qu'un kilo. Et ça, c'est les mèches brésiliennes. $100, juste à 8 inch. Ça, c'est size 20 inch. Hein? Taille 10. Taille 20, pardon. Taille 20. Ok. Il y en a, si vous en voulez. Dans le catalogue, je vais poster tous ces articles que vous allez voir. D'accord. Attends, I will post everything concerning you. Also, if they want something, they just come and ask me. Yeah. If you have. Ok, I want to ask for something. Perruque. Yeah, ok. Il y a aussi les perruques. Hein. Can we color your hair? Yes, it can color. On peut colorier. Donc, t'as dit que vous pouvez mettre là. Vous pouvez teindre ses cheveux. Il n'y a pas de problème. Il y a également les perruques. Ok. Elle peut aussi vous faire des perruques si vous en voulez, quoi. It's attendez. Ok. Il y a plusieurs perruques que je vais poster. C'est dans son catalogue que je vais prendre, je vais poster. Like this, how much is this? This? Yeah. Dollar price, right? Dollar, yeah. $70. $70 pour ça. This one, which size? This, which inch? 12. Ça, c'est size, taille 12. OK? $70. Mm-hmm. OK, $70. Ça, c'est, yes, c'est bien. $70. Mm. Vous voyez? Elle a dit $70, c'est en belge, c'est-à-dire parce que elle, la majorité de ses clients sont des Congolais. Du coup, les Congolais ne disent pas 70, ils disent 70. Ils ne disent pas 90, ils disent 90. Donc, comme on est entre nous, c'est mélangé, donc on comprend ça, d'accord. Je traduis pour vous. Voilà ça, $70. Ok. Elle me dit de vous montrer, regardez. L'intérieur, very good. Vous voyez un peu. Why? Sister, what's your minimum quantity? Like this, 10 pièces. Elle dit que quantité minimale, 10 pièces ici là. Ok? 10 pièces ici là, c'est bon. Ici, on fait seulement en gros. Yes, I know, because even me, I don't agree little. Yeah. It's not good like that. Okay. So, in your long hair, what's your minimum quantity like this? 1 kilo, 10 kilo? 5 is elle dit que le minimum de quantité chez elle, c'est 5 kilos. Ok, 5 kilos. Donc, pour avoir les prix qu'elle est en train de donner là, il faut prendre à partir de 5 kilos. Moins de 5 kilos là, le prix va augmenter. Vous avez toujours expliqué que c'est comme ça que fonctionne la Chine. Vous voyez, je suis venue ici là parce que regardez, voilà. Voilà les commandes. Vous voyez?
Elle les commande, donc elle vend énormément. Voilà les commandes, vous voyez, maintenant nous, on aide à les délivrer. Ok, je vais vous poser la question si elle peut faire le shipping par elle-même. Can you ship, if somebody order from you directly from Africa, can you ship? Yes. Elle dit que... DHL, on a FedEx. Ok, donc elle expédie, malheureusement elle expédie uniquement à travers FedEx et... DHL. Et vous savez très bien que... Because here have many cargo. Guangzhou have many cargo. You can send the cargo, send many countries. Yeah. Donc ici à Guangzhou, d'abord, comme j'avais déjà expliqué, ici il y a beaucoup de cargo. Ok, ici il y a beaucoup de cargo, mais vous savez que si vous envoyez par les FedEx là, les... Even Europe. Oui, tout ça là, vous savez que ça coûte cher. Donc nous, maintenant, nous, voilà pourquoi je dis souvent que c'est bien d'avoir les agents. Parce que les agents, on a des agences ici qui, pour l'Afrique qui coûtent moins cher. Ok, donc c'est un peu ça. Il y a aussi des closures hein, que je ne vous ai pas montrées. Il y a des closures hein. Voilà les hein, this one what? This is and what? Body wave hein? Yes. How, what is the name of this? Lace of contact. Ça c'est la closure, la taille 16, ok. Il y a beaucoup. Ça là ça a 4 traits hein, vous voyez un peu. 4 traits, vous voyez. Ça, c'est les, elle a dit que ça c'est les kinky. This one, how much is this? Size 10. This is a size 10. Yeah. You see this machine maker, this is cheaper price. Voilà, vous devez savoir une chose, les machine maker. This is a hand maker. Ok. Il y a un truc avec les clés, je vais en profiter même pour vous dire une fois. Les, tout ce qu'on fait avec la machine coûte moins cher. Comme elle a dit de m'expliquer que ça c'est machine maker. Donc la machine a fait. Ok. En revanche, ça là, c'est le handmake. Voilà la différence. Vous voyez que ça n'a pas de couture, non? Ça, c'est le handmake. Ça, ça coûte plus cher. Vous voyez que ça n'a pas de couture. En revanche, ça là, ça a la couture. Ok, ça coûte moins cher. Ok. Donc, je voulais vous présenter. Je vais vous poster. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et puis, on va parler. Elle a plein de choses. Vous savez que je vous ai déjà expliqué que les Chinois ils n'ont pas besoin d'une grande boutique. La boutique d'abord ici, là, vous devez savoir que ces boutiques coûtent très, très, très cher. Donc, ils ont juste besoin d'un espace où vous d'abord mettre les échantillons, c'est-à-dire les samples. À partir des samples, là, maintenant, quand vous commandez, ils prennent à l'usine et puis ils vous livrent ou bien dans leur magasin à eux, quoi. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Sister, thank you very much for... Merci. Yeah, for give you for your time. I know it's not easy, donc je... Thank you very much. May God bless you. So we are going to do good, very good business together. Okay. Sur ce, on se dit. Deal. Okay. On se dit à la prochaine. Bisous.